Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui autour de la table Sabrina Philippe, psychologue, Elisabeth Assayag, journaliste médicale à la rédaction d'Europe 1, le docteur Martine Perret, généraliste et le docteur Gérald Kierzek, urgentiste autour de vous, Thomas Joubert. Et comme on le fait chaque semaine dans cette émission avec Jean-Marc Mordigny et Julien, on vous explique comment se déroulent certains examens médicaux que vous avez peut-être déjà fait, que vous allez être amenés à faire. Et aujourd'hui, on a parlé des biopsies avec le médecin d'Europe 1, le docteur Gérald Kierzek. Ces biopsies qui apportent des informations essentielles au médecin, on va vous dire à quoi ça sert exactement. Comme d'habitude, 39-21, si vous voulez témoigner, si vous avez déjà subi une biopsie, si vous voulez raconter euh, votre expérience à l'antenne. Docteur Kerzé, qu'est-ce qu'une biopsie une biopsie, c'est un prélèvement, un prélèvement de fragments de tissus. Alors, contrairement à la ponction, la ponction, on arrive avec une aiguille et on va ponctionner quelques cellules ou un liquide et on va le faire analyser. Là, la biopsie, on imagine qu'il faut prélever un peu plus gros, un peu comme une petite carotte qu'on viendrait. Une mini carotte, évidemment, mais on va venir prélever des tissus. Donc, ce ne sont pas que des cellules. C'est toute l'architecture du tissu. Alors, ça peut être un tissu qui est très superficiel. Ça peut être la peau. Par exemple, si vous avez un grain de beauté ou une lésion un peu particulière, on va faire une biopsie. Le dermatologue ou le médecin généraliste va pouvoir faire une biopsie et va l'envoyer dans un laboratoire et on verra dans quel laboratoire parce donc que c'est fondamentalement c'est un prélèvement de ce tissu là où ça peut être plus profond ça peut être un organe et quand je disais on peut prélever tous les organes on peut faire des, pon des ponctions biopsie du rein du foie euh, du colon de lésions à l'intérieur là, là, on va faire à la à fibroscopie alors on va rentrer à l'intérieur du corps donc soit c'est superficiel et vous n'avez pas besoin de rentrer à l'intérieur du corps soit c'est à l'intérieur du corps et vous pouvez y rentrer par les voies naturelles par exemple la biopsie d'un polype on va vous faire une fibroscopie une coloscopie on en avait parlé rentre avec un fibroscope, avec une caméra et avec une petite pince, on va aller in situ prélever un morceau de tissu, de ce polype par exemple, ou bien ça peut être un organe qui n'est pas accessible mmh. par les voies naturelles, le rein, le foie aussi, et donc là vous allez rentrer soit à l'aveugle, entre guillemets, soit de manière éco-guidée ou avec un scanner, et donc là c'est la combinaison de l'échographie ou du scanner qui va permettre au radiologue, c'est généralement le radiologue qui fait ce geste, d'aller avec une extrême précision à l'endroit exact où on veut prélever, soit le tissu dans sa globalité, l'organe. Ouvrir quand même. Non, il ne faut pas ouvrir. Ça se fait de, bah manière, per... ça se fait de manière percutanée, c'est-à-dire que ça se fait à travers la peau. On vous fait une échographie. Thomas, si on veut, par exemple, vous faire une biopsie du foie, mm -hmm. on va faire une échographie ou un voilà. scanner du foie. Je ne dis pas ce que vous allez trouver. Le, le, <laughs> le foie, bah, je ne sais pas, Pâques, non, les chocolats, ça ne s'engorge pas trop le, le foie, ça ouais, serait pour Noël. Mm. Non, mais si on vous fait une biopsie du foie, par exemple, pour aller rechercher une cirrhose, c'est un bon exemple, une cirrhose ou une autre lésion du foie, on va aller avec une échographie ou avec un scanner repérer. Et après avoir fait ce repérage, de manière totalement guidé, c'est-à-dire sur l'écran, le radiologue va introduire une aiguille un peu plus gros qu'une aiguille pour aller prélever un morceau de cet organe. Donc ça permet, avec précision, d'aller dans l'organe. Et puis si c'est une lésion particulière, parce que très souvent on cherche derrière la biopsie, on cherche des cellules anormales, parfois des cellules cancéreuses. Donc on a repéré une lésion, une lésion à la radiographie, une lésion au scanner, et on veut aller préciser la nature de cette lésion. Et on n'a rien trouvé de mieux qu'aller chercher un morceau de cette lésion. Donc il faut aller taper au bon endroit. Avec une aiguille donc. Avec une de aiguille. De quelle grosseur c'est gros bah, de, Tout dépend le morceau que vous voulez prélever, si on a besoin d'avoir l'architecture de l'organe, on a besoin d'avoir une biopsie qui est relativement importante, ça se fait sous anesthésie de toute façon, parce ah. que je vois, je vois les, les, vos, vos oui. yeux un peu apeurés, donc ça se fait sous anesthésie, le plus souvent sous anesthésie locale. Parfois sous anesthésie générale, mais le mmh. plus souvent c'est sous anesthésie locale. Puis vous savez quand on vous fait une fibroscopie, il y a déjà une anesthésie, et donc on va profiter de coupler le geste de la fibroscopie et vous verrez même pas qu'on fait, vous ne sentirez même pas mmh. qu'on fait la biopsie avec la petite pince et qu'on retire cette petite carotte, ce petit morceau de tissu qui va partir ou plusieurs morceaux qui vont partir au laboratoire. Et le laboratoire essentiel, c'est ce qu'on appelle l'anapathe l'anatomopathologie. Mmh. C'est le spécialiste qui va aller avec son microscope, avec des colorations, qui va aller vérifier le morceau de tissu qu'on a enlevé, est-ce que c'est bien un morceau de la tumeur entre guillemets et tumeur, je vous rappelle Thomas que la tumeur c'est pas forcément cancéreux, une tumeur c'est une excroissance, hein, c'est une grosseur, il y a des tumeurs bénignes, il y a des tumeurs malignes et on va vérifier aussi euh, l'organe, on va vérifier les tissus autour donc ça permet vraiment d'avoir une analyse, une première analyse, puis ça prend du temps puisqu'il faut aller faire des colorations, faut aller faire d'autres examens pour pouvoir analyser cette biopsie. Donc, donc il y a le geste de biopsie et il y a l'analyse. Et on peut biopsier, ça se dit ce, ce terme biopsie, oui, ouais. c'est un tout, verbe. Tous les tous les organes Quasi quasi tous les organes. Alors, je disais les, les organes creux, on peut dans le colon, la muqueuse, mais les organes pleins, le foie, le rein. Si vous avez une petite tache au niveau du poumon, on va faire une fibroscopie bronchique et on va aller par voie transbronchique, c'est-à-dire à travers les bronches. On va mettre un fibroscope, fibroscope qui va descendre dans la trachée, dans les bronches. Et en regard de la lésion qu'on a vue, on va pouvoir, les pneumologues vont pouvoir transpercer la bronche. Mais là aussi, les mots font peur, mais ça se, ça se fait de manière quasiment euh, indolore. Et vous allez prélever ce morceau de ce morceau soit tumeur soit ce morceau de poumon donc on peut vraiment prélever tous les organes, alors il y a un organe où on a l'impression qu'on ne peut pas le prélever, c'est le cerveau. et pourtant, on fait des biopsies stéréotaxiques. vous avez toujours euh, tous entendu parler de, du mot stéréotaxie. stéréotaxie, ça veut dire qu'on repère, on repère avec précision, parce qu'il n'est pas question d'aller mettre euh, une aiguille ou d'aller mettre d'aller prélever un morceau comme ça un peu à l'aveugle. donc ça se repère avec un scanner. il y a un découpage, c'est une cartographie qui est faite. il y a un mapping du scanner, du, euh, par scanner du cerveau qui est fait. et grâce à la stéréotaxie, il y a un repérage très précis pour aller prélever l'endroit anormal repéré au scanner, euh, c'est même simulé en amont, c'est-à-dire avant même de faire le geste, il y a une reconstruction en trois dimensions par le scanner, donc ça permet de simuler le geste et ensuite de le réaliser de manière assistée par ordinateur. Donc même le cerveau peut se prélever pour une analyse biopsique. Bah heureusement, parce qu'il ne faut pas enlever le mauvais bout du cerveau. Docteur Martine Perez. Oui, aujourd'hui, l'imagerie permet de voir beaucoup de choses dans le corps humain. L'imagerie, passez... les radios, les, les, IRM, RM, les gens scanner à l'IRM, et vous voyez beaucoup, beaucoup de choses. Le vrai problème, c'est après, qu'est-ce que vous voyez, comment savoir que ce que vous voyez est un cancer, une tumeur bénigne, un kyste ou autre chose Eh bien, l'imagerie n'arrive pas encore à ce jour à faire le distinguo entre des lésions bénignes et des lésions maniques Et c'est pour ça que, même si on parle toujours beaucoup d'imagerie et des progrès en imagerie, la biopsie à ce jour reste incontournable pour porter un diagnostic. Ça ça permet de vérifier et de confirmer voilà, un diagnostic. Pour les femmes qui ont des cancers du sein, enfin, qui, ont des, qui, qui font des mammographies, on leur dit faites la mammographie. Mais en général, si on voit quelque chose, il faudra obligatoirement une biopsie, sauf si c'est un kyste qu'on peut voir à l'échographie, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'imageries qui peuvent distinguer, surtout quand les lésions sont de petite taille, une tumeur bénigne et une tumeur maligne. L'objectif, c'est d'avoir l'analyse des tissus. L'imagerie va repérer. Alors, on a de plus en plus de l'imagerie qui permet de dire, euh, on a une forte suspicion de quelque chose qui serait cancéreux ou pas. Je pense au scanner couplé au PET scan, par exemple. On, on expliquera ce que c'est sur, euh, sur une autre émission, mais ça permet de fixer des lésions qui sont un peu euh, suspectes. Mais en revanche, le seul moyen d'analyser, bah, c'est encore d'aller prélever. Et la biopsie, c'est ce geste de prélèvement. Mais ce geste de prélèvement, il est indissociable en amont du repérage avec l'imagerie et en aval il est indispensable, avec la, il est couplé à l'anapathe, parce que sans le Bien laboratoire, sûr, la, la biopsie ne permet pas d'avoir, on peut avoir une idée un peu macroscopique, c'est-à-dire que le chirurgien ou le radiologue, quand il prélève le tissu, en fonction de la consistance, en fonction de la difficulté avec laquelle il va avoir un accès, et, et la couleur, quand on regarde, c'est ce qu'on appelle l'aspect macroscopique, on peut déjà, déjà avoir une orientation, mais ensuite c'est l'aspect microscopique qui donne une confirmation ou pas du diagnostic. Avant...